bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui a pour objectif de vous présenter un petit peu donc le portail documentaire du cdi. la dernière fois nous avions euh, donc vu ensemble un petit peu une présentation du portail documentaire de comment il était structuré, des différentes informations qu'on pouvait y trouver, notamment en termes de ressources en cette période de confinement. aujourd'hui cette deuxième vidéo a pour objectif de présenter un peu plus Précisément euh, la recherche de documents dans le catalogue. Et pour ce faire, nous allons donc concentrer notre attention sur ce bloc bleu que vous voyez visible en page d'accueil, qui s'intitule donc « Je cherche, je trouve ». C'est dans cette, euh, dans ce bloc avec cette barre de requête qu'on va pouvoir effectuer une recherche de base, toute simple dans le catalogue. Donc on va partir d'un premier exemple euh, autour de la BD Zombielienium. Admettons que vous avez vu le film dernièrement à la télé et que vous n'avez pas lu la BD, vous souhaitez savoir si elle est au CDI et si l'histoire est à peu près la même que dans le film. Donc tout simplement, hein, comme sur un moteur de recherche, vous allez donc effectuer votre requête, saisir vos mots-clés, donc là en l'occurrence zombilénium, et vous cliquez soit sur Entrée, soit sur la petite loupe qui est ici pour pouvoir afficher les résultats. Ce que nous allons donc faire de suite. Donc la requête est en marche, voilà, le résultat de la recherche s'affiche, euh, donc on vous dit qu'il y a quatre documents ou titres trouvés pour la recherche Zombilenium, ce qui correspond donc en effet aux quatre documents qui sont disponibles au CDI. Donc là, vous avez euh, dans l'affichage de base vraiment l'affichage basique, c'est-à-dire le titre, le tome et le nom du tome, l'auteur et la date. Si vous voulez avoir plus d'informations, il va falloir cliquer sur le petit plus qui est disponible ici, hein, qui va vous apporter des détails. Donc, on va le faire de suite avec le premier. Donc, ici, vous avez la notice qui se déploie et qui est un peu plus précise. Donc, on vous précise qu'il s'agit d'un texte imprimé, qu'il y a un volume, des illustrations en couleur, qu'il est en français, etc. Vous avez aussi le résumé du document, ça, ça peut être intéressant. Et le mot-clé que vous avez saisi dans la barre de requête est donc surligné ici en bleu. Euh, ce qui nous intéresse particulièrement quand on fait une recherche dans le catalogue, c'est de savoir si le document est disponible et à quel endroit. donc, il va falloir aller un tout petit peu plus bas dans la notice pour arriver ici, dans la partie exemplaire. et là, on vous dit donc qu'il y a un exemplaire qui a un code barre. C'est donc le code barre que je scanne quand je vous fais le prêt du document, la cote, l'adresse du livre qui vous permet de la retrouver dans les rayonnages, son support, sa localisation, donc le CDI et la section bande dessinée. Donc a priori, vous savez tous où sont situés les bacs ABD au CDI, donc c'est à vous ensuite d'aller les chercher euh, à la bonne place. Euh, ici, en l'occurrence, Zombilenium fait partie des séries complètes ou en cours, donc dans un intercalaire. Spécifique. Donc, si le document a été rangé à sa bonne place, vous le retrouverez donc à l'intercalaire Zombillenium. Euh, ensuite, le catalogue vous propose euh, des suggestions un petit peu plus bas, dans le même rayon, peut-être aimerez-vous, qui sont des suggestions un petit peu en lien avec la section dans laquelle vous avez accès à votre recherche, donc en l'occurrence bande dessinée pour Zombillenium, mais ça peut être aussi d'autres BD qui seraient en lien un petit peu avec ces thématiques de fantastique, etc. Voilà, donc si la BD vous intéresse, vous pouvez toujours noter donc la cote. Vous avez vu qu'elle était disponible au CDI et venir la chercher euh, lors de votre prochaine visite. Voilà, donc ça c'est une recherche toute simple qu'on effectue. Donc à partir de cet onglet, je cherche, je trouve. Il y a une autre façon de chercher. Donc je vais revenir sur l'accueil. Vous voyez donc toujours dans cette zone bleue, hein, ce bloc je cherche, je trouve. Vous avez en bas euh, recherche avancée. La plupart du temps, une recherche simple via ce premier bloc vous satisfera probablement. Mais si vous voulez par exemple chercher des livres sur la Première Guerre mondiale et que vous ne souhaitez avoir que des textes imprimés et pas de site internet, par exemple, vous pourrez passer par le, la recherche avancée. Donc je vais vous faire la démonstration d'abord par ce premier bloc de recherche simple autour d'une requête sur la Première Guerre mondiale. Donc je vais saisir ma requête Première Guerre mondiale, donc mes mots-clés. Et je vais lancer ma recherche par ce bloc. Donc là, la requête est lancée et nous allons voir combien de résultats on nous propose. Donc là, la, re la recherche, euh, le résultat de la recherche nous propose 1410 documents. Dans ces 1410 documents, il y a à la fois euh, des euh, livres papier, mais aussi des sites web. Alors comment on reconnaît ces différentes ressources C'est une question de petits logos qui, qui apparaît à côté de la notice. Donc là. Euh, vous voyez, il y a un petit symbole terre qui stipule en fait que c'est un site web que vous allez consulter et qui a été donc saisi euh, dans la base documentaire. Donc vous pouvez tout à fait déployer la notice pour avoir un petit peu plus d'informations. Donc là, effectivement, on vous, propose, on vous précise que c'est un document électronique, la date, etc. Avec le résumé toujours. Et donc là, vous avez en ligne le lien direct qui vous permet d'y accéder. Mais si vous ne déployez pas la notice, vous pouvez tout à fait accéder à la ressource électronique en cliquant ici sur la petite flèche qui est à droite, qui, f... qui s'intitule Ouvrir le lien. Et donc ensuite, on peut directement aller voir le site en ligne. Euh, la plupart du temps, les liens sont à jour, donc vous pouvez tout à fait les consulter. Ce sont des ressources qui ont été sélectionnées pour vous et qui sont donc accessibles. Mais si par exemple je ne veux que des documents papier, que des livres documentaires qui seraient disponibles au CDI, je vais pouvoir passer par donc, la recherche avancée. Donc ici je clique sur recherche avancée, ça va m'amener sur une autre page. Voilà, et là donc vous voyez qu'on a un nouveau bloc qui apparaît qui est un petit peu plus complexe que le, que le simple bloc bleu que nous avions donc au départ. Donc ici par exemple si je ne veux donc que des textes imprimés sur la première guerre mondiale, je vais ici cliquer sur texte imprimé. Comme ça je précise un petit peu ma requête et là je peux venir préciser que je ne veux que des documentaires et non pas des livres de fiction. Donc toujours dans le même principe, je vais saisir mes mots clés première guerre mondiale et lancer ma requête. pour afficher mes résultats. Et donc là, on voit bien que le nombre de documents a baissé puisque forcément toutes les ressources électroniques en ligne ont été supprimées de ma recherche et j'ai donc 432 documents qui peuvent correspondre à ma recherche sur la Première Guerre mondiale. Donc ici, vous voyez que donc les résultats s'affichent toujours de la même façon, de façon simplifiée, il faut déployer la notice et là les petites icônes qui sont à gauche du titre diffèrent. Donc si vous avez ce petit livre vert qui, qui apparaît, c'est que c'est un livre, un documentaire ou un livre de fiction. Là, en l'occurrence, on n'a choisi que des documentaires. Donc, si je déploie la notice, hop, parfois j'ai l'illustration du document, le résumé toujours, et pareil, l'identification de l'exemplaire au sein du CDI. D'accord donc ça, c'est le premier type de document que ma requête me propose. Mais j'ai aussi cette petite icône qui apparaît. Et si vous avez cette icône, en fait, c'est qu'il s'agit d'un article de périodique. Donc on va déployer celui-ci pour voir à quoi ça ressemble. Donc pareil, 14-18, les frontières de la guerre. Donc a priori, je suis dans mon thème de recherche. Et là, on me précise que c'est les articles en pages 10 et 11. Donc ça veut dire tout simplement que ce document, c'est une partie, un article, issu du périodique Géoado, et donc là, euh, si l'article et le magazine sont disponibles, on vous donnera donc la localisation de l'exemplaire au CDI. Donc soit l'exemplaire du périodique est dans les casiers du meuble qui correspond, soit ils, sont, ils ont été rangés en réserve, et dans ce cas-là, il faut me demander, et je j'irai vous le chercher. Voilà. Donc ça c'est la recherche avancée quand on veut préciser donc par exemple qu'on veut tel ou tel type de document. Voilà, donc vous pourrez tester vous-même pour voir à quoi ça ressemble, faire plusieurs types de recherches. Une fois que vous avez donc par exemple vous cherchez à faire votre recherche Première Guerre mondiale de chez vous puisque je vous rappelle que le catalogue documentaire le portail est accessible de chez vous et de partout à partir du moment où vous avez un appareil qui est connecté au réseau internet donc vous n'avez pas besoin d'être forcément au collège pour effectuer une recherche dessus donc vous pouvez préparer en amont euh, votre liste de documents vous pouvez noter sur un petit bout de papier euh, la cote euh, du document son titre et éventuellement son code barre mais ça c'est pas indispensable et venir avec venir chercher vous-même les documents en rayon et si vraiment vous ne savez pas où ils sont venir me demander je vous montrerai la prochaine fois, ça sera l'objet de la troisième vidéo. Mais vous avez donc la possibilité aussi, donc d'avoir, je vous le disais, un espace euh, personnel qui vous permette en fait de rajouter vos documents dans votre panier. Donc, si je déploie là, par exemple, une notice, vous voyez, vous avez entre euh, le déploiement de la notice et la partie exemplaire une partie réservation et vous pouvez cliquer sur réserver ce document. Donc, ça, c'est ce que je vous montrerai la prochaine fois, mais ça vous permet en fait, si vous voulez, de réserver à l'avance vos documents et de venir les chercher ensuite sur place. Voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser à faire quelques manipulations sur le portail. Je vous présente juste une dernière petite chose avant de vous laisser. Donc toujours sur ce blog, je cherche je trouve, vous voyez que vous pouvez cliquer ici soit dans le catalogue ou dans le site. Donc si par exemple vous cherchez des livres audio mais sans avoir d'idée précise d'un livre audio en particulier, vous pouvez donc faire cette requête, hein, livre audio et préciser Oups, petite erreur. Préciser que la requête, vous la lancez dans le site, dans le portail, et pas uniquement dans le catalogue. Et donc là, si vous faites votre recherche, vous verrez qu'en fait, ce sont les articles. Euh, les résultats euh, vont être recherchés dans les articles du site, du portail, et donc plus dans le catalogue uniquement, et voire pas du tout d'ailleurs dans le catalogue. Voilà, donc euh, ça, c'est donc la fonctionnalité. Je cherche, je trouve pour pouvoir trouver des documents au CDI. N'hésitez pas à l'expérimenter, à vous familiariser avec, puisque ça peut être un gain de temps énorme pour vous, surtout quand je suis très occupée et que je ne peux pas forcément répondre à toutes les sollicitations en même temps. Voilà, donc je vous sou... sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.